Le Candy Mountain, c'est full fun pour les enfants qui y a toujours rêvé de venir. La natation, parce qu'avant que je vienne ici, je savais pas tout nager. Et ça m'a permis à m'aider. Puis là, comment est-ce que tu te sens en faisant le kayak? C'est quoi les choses que tu as hâte de faire en faisant ça? Moi, avec mes amis, on a dit on pourrait faire une course, puis tantôt, on va faire une course. Une course de kayak? Ouais. Là, je suis content, parce que c'est la première fois que j'en faisais. En fait, je suis vraiment fier de lui. Là. Il a encouragé les gens de l'équipe sans arrêt. C'est toujours le premier à essayer d'aider les gens. C'est, je suis vraiment, vraiment très impressionné. Là. Sachant de... Connaissant dans le fond son passé qui est assez difficile, là. Très, très, très impressionné. Il a toujours participé, il a donné son meilleur. Puis je suis vraiment fière de cet enfant-là parce que la première journée, il est arrivé ici puis il a vraiment trouvé ça difficile. Finalement, il s'en est très bien sorti. Le but du camp, dans le fond, c'est quasiment rien que ça. Les baies, il faut qu'on réussisse à gagner toutes les baies hein, avant d'arriver à la maison. C'est quoi ta baie préférée? C'est quoi la baie, là, justement, là, qui La rouge, parce que c'est l'esprit d'équipe. C'est quoi la chose la plus importante que tu as apprécié? Le travail d'équipe, pour encourager les autres, donner du courage. Que mes amis m'encourageaient beaucoup, puis c'est plaisant. C'est quoi la baie que tu es le plus fier d'avoir gagné ici? La bleue. La bleue, c'est quoi la bleue? C'est se donner un défi personnel. Et là, c'est quoi les choses qui t'ont vraiment permis de faire l'activité? Mais que les autres m'encouragent, ben, que j'aille confiance en moi, puis que tout le monde m'encourage, puis que je peux le faire. Tout seul, t'as de la misère, mais en groupe, c'est un groupe, tout le monde se soutient, puis c'est plus amusant aussi. C'est quoi pour toi être un bon leader? Montrer l'exemple, être fier de soi.